Salut. Salut. On va se demander où t'étais passé, toi. Ah, j'étais à la poste, chercher un paquet qui vient d'arriver pour moi. Qu'est-ce que c'est? Une webcam avec tout ce qu'il faut pour l'installer. Ça, tu peux essayer de trouver l'escabeau? L'escabeau, mais pour quoi faire? Bah pour installer la webcam. Ah. Hein? Je vais la mettre là. Comme ça, on aura une vision globale sur toute la pièce. Mais il est malade, là. Tu comptes quand même pas mettre notre pull sous webcam, non? Bah si, pourquoi? Et notre vie privée? Eh, hey, votre vie privée, les gars. Je vous rappelle quand même, à titre indicatif, que moi aussi, j'habite ici, hein, même si vous avez trop tendance à l'oublier. Oula, attends. Calmons-nous, hein. Restons calmes. Alors, tu veux dire que quoi, là, tu vas installer ta webcam ici, là, juste au-dessus de la porte, pour que le monde entier ait une vue globale, comme tu dis, de notre piole, ouais, du soir au matin. Exactement. C'est génial. Je vois pas l'intérêt, là, Jérémy. Ah, c'est marrant, mais là, je reconnais mais bien votre égocentrisme naturel, les gars. Bon, comment vous expliquer? Sandra, elle est où? Ouais, chez elle. Mm-hmm. Et Géraldine, elle est où? Chez Sandra. Enfin, moi, j'espère. Eh ben voilà, vous avez tout compris. Et ma Barbara? Hein? Ma petite Barbara? Où est-ce qu'elle est? Hein? Eh ben, elle est à l'autre bout du monde. Et si je veux avoir une chance de pouvoir communiquer avec elle, eh ben, faut que j'installe cette webcam. Mmh. Voilà, c'est QFD. Vous avez compris, on remballe, c'est terminé, on s'excuse et on fait béco. Alors, si j'ai bien compris, tu mets cette webcam pour que Barbara puisse te voir de n'importe quel endroit où elle est, c'est ça? Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dis quelque chose, tu le répètes en le paraphrasant. C'est parce que ça... Mais bon, ça va, enchaîne. Ça t'aide à comprendre. Enchaîne. Ok, oui. D'accord, très bien. Bon, qu'est-ce qui est dangereux pour un couple? Eh ben, c'est l'absence, comme on dit, loin des yeux, loin du... cœur. Voilà, loin du cœur. Eh ben, justement. Grâce à ça, je vais pouvoir rapprocher mon cœur de celui de Barbara en me rapprochant de ses yeux. C'est ça la technologie, hein? Webcam, vous avez... Ouais? Bah l'escabeau maintenant. Mais qu'est-ce que t'as agité comme ça? Mais je comprends pas. Mon bouquet du matin n'est toujours pas arrivé. Le livreur passe toujours avant 9h, normalement. Et tu sais toujours pas qui te les envoie? Non. C'est forcément un admirateur. Mmh. Mais lequel? C'est vrai, il y en a tellement. Moquez-vous. Bon, on te charrie un petit peu. Mais t'es nerveuse comme une jeune mariée. Mais c'est normal, mettez-vous à ma place. Un garçon qui m'envoie un bouquet de fleurs tous les matins et un autre tous les soirs depuis 3 jours, je sais même pas qui c'est, il y a de quoi être nerveuse. T'es sûre que c'est pas Fred? Mais non, c'est impossible. Fred, c'est pas du tout son style. Puis il signerait pas à ton chevalier d'amour. Ouais, c'est vrai que ça lui ressemble pas. Marc, c'est peut-être Benoît. Non, je lui ai posé la question, c'est pas lui. Ni Arnaud, ni Richard, ni Bruno. J'ai fait le tour des ex, c'est pas eux. Ça a dû te prendre du temps. Pas vraiment. Je leur ai envoyé un mini-message à chacun sur leur portable pour leur poser la question. Ah là, qu'est-ce que c'est pratique ces trucs-là. C'est vrai que c'est bien le progrès, hein. Oh là là. Son écriture. Quelle écriture. Ça révèle une personnalité exceptionnelle. Il est forcément beau. Attends, Géraldine, tu as pas commencé? Je croyais que t'étais amoureuse de Fred. Oui, mais Fred, c'est Fred. Et mon chevalier d'amour, c'est autre chose. Je suis un fantasme pour lui. Un rêve inaccessible. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour accéder jusqu'à moi. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle te donne pas son nom. Mais c'est un romantique. Oh là là, ce que j'aimerais qu'il se dévoile. Tu serais peut-être déçue. Imagine que ce soit un petit gros boutonneux. Ou un vieux chauve-vent tripotant. Mais c'est impossible. Un garçon qui a une idée aussi géniale. Il est forcément grand, jeune et beau. S'il est beau et grand, on élimine tout de suite Jérémy. T'es méchant, tu es mignon. En tout cas, il est drôle. Oh, c'est donc le livreur. Oh là là, les filles. Ça va, je suis bien. Mais Géraldine, c'est pas ton chevalier, c'est le livreur. Mais on ne sait jamais si son client lui demande comment j'étais. Allez, ouvre. T'es très belle. Bon, ok. Jérémy, j'avoue que ton argument là de vouloir installer une webcam pour rester en contact avec, avec Barbara, ça tient la route, d'accord. Mais à ce compte-là, fais-le que, je sais pas, sur ton lit et pas sur toute la pièce, tu vois. Mais attends, mais je peux pas montrer à Barbara qu'une petite partie du monde dans lequel je vis. Je veux qu'elle ait une vision globale de mon univers. Eh ben, t'as qu'à vivre dans ton lit. Hein? Ah. Mais attends, Jérémy, parce que nous, on n'a pas vraiment envie de s'exposer, tu comprends? Voilà. Je comprends, oui. De toute façon, on est et on meurt seul dans la vie, c'est ça, hein? Enfin.
Bon, allez, l'escabeau, maintenant. Tu peux aller chercher l'escabeau, s'il vous plaît. C'est quand même génial, le monde moderne, quand j'y pense. Vous vous rendez compte, je vais réaliser ce qui était le rêve de l'humanité tout entière pendant des siècles et des siècles. Avoir le don d'ubiquité. Je vais pouvoir être à la fois ici, là, comme ça, dans mon lit et dans celui de Barbara, sur l'écran de son ordinateur au Japon. Ouais, ok, Jérémy, pour la communication, je reconnais, c'est cool. Mais pour les petits câlins, c'est plutôt léger, hein. Oh bah alors. Eh bah alors, le coquino va. Hein? Donc tu caches bien ton jeu, je pensais pas que t'étais comme ça, moi. Tiens. Ah! Voilà ton escabeau. Alors, mon lit est là. Enfin, cette espèce de paillasse qui me sert de lit, hein, est ici. Alors, tu mets l'escabeau par là. Là, il va falloir qu'on détermine la place exacte de la caméra, c'est très important. Julien, voilà, tu lui files la caméra. Tu fais attention, c'est très fragile. Bon, s'il te plaît, là, tu peux pas le faire toi-même, ça, non? Mais non, je peux pas. Non, je peux pas, il faut que je calcule le champ de vision, c'est d'une précision au millimètre. C'est comme ça. Et puis j'ai le vertige en plus, alors, vas-y. Allez, tiens. Bon, alors... Bah, mais l'air un peu empoté, hein. Vas-y. Vas-y, monte. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est trop bas, donc tu remontes. Encore... Oh, voilà. T'es pas sur ta gauche. Sur ta gauche. Non, la gauche. C'est où ta gauche, hein? Ta... Là. Voilà, ça c'est pas mal. Monte. Voilà, tu... Stop, tu bouges plus. C'est nickel, très bien. Oui, d'accord, ok. Bah Julien, mon grand, mais rends-toi utile. Prends un crayon et marque la place exacte. Prends un crayon, Julien, là, crayon. On n'est pas aidé, hein. Comme ça, quoi. Ah, voilà. Regarde le garçon là-bas, avec le pull rouge. T'as vu comme il me regarde? C'est Guillaume. Il est mieux pour pouvoir se cogner la tête dans les murs. Il regarde tout le monde comme ça. Ah bon? Et lui, t'as vu? Il m'a fait un sourire. À mon avis, c'est simplement un dragueur. Il sourit à toutes les filles. Mais non, ça se voit. Ça a l'air de romantique. Je suis sûre que c'est le signe d'envoyer des fleurs à la fille qu'il aime sans se dévoiler. Ben dis donc, je sais pas comment tu vois ça, toi. Je le vois pas, je le sens, j'ai un sixième sens pour ces choses-là. Et ben il est peut-être en panne. Bouge pas, je vais voir. Salut. Salut. Merci beaucoup pour tes fleurs. Quelles fleurs? Tu lui envoies des fleurs? Non, Joël, je t'assure. De quelles fleurs tu parles? Ah, ben, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Désolée. Salut. C'est quoi cette histoire de fleurs? Hein? Tu crois que je vais avaler ça comme ça? Je crois que j'ai fait une gaffe. Oui, je crois que t'as raison. C'est insoutenable. C'est pire qu'une torture. T'imagines, ici, il y a un mec qui est fou amoureux de moi, je sais pas qui c'est. Tu te rends compte? Ça va, calme-toi. Viens de nous dire qu'il est là, d'abord. Hein. Ah, mais t'as peut-être raison. Peut-être qu'il m'a vu à la fac, en fait. Viens, on y va. Voilà, comme ça, oui, un peu plus. Pas... Bah, là, c'est pas mal, là, c'est pas... Remonte à peine. Voilà, nickel, zoom. Voilà, très bien, tu bouges plus, c'est parfait. Ouais, c'est pas trop tôt, hein, on va être en retard, là. Allez-y, au lieu de râler. Pourquoi, tu viens pas avec nous, toi? Ah, bah non, si j'ai installé le webcam, c'est pas pour montrer un lit vide. Hein. Attends, tu vas passer ta journée ici? Ah, bah oui, faut une bonne partie, en tout cas. Hein. J'ai bien l'intention de profiter de Barbara et qu'elle puisse profiter de moi. Bon, tu viens, Fred, on y va. Arrive. Je te prends les cours, je suppose. Hein? Ouais, bien sûr. Bon, eh bien, écoute, bonne journée à toi. Hein. Puis surtout, te fatigue pas trop. Hein. T'inquiète pas. Allez, salut. Oui, bonjour, je voudrais la chambre 303, s'il vous plaît. Hein? Yes, yes. Yes, I'd like the room 303. Yes, 303. This is it. Yes, thank you, yes. Say thank you.
Allô, mon bébé d'amour? Ouais, c'est ton Miminou. Tout jaune et plein de tendresse. Ouais, bah, je t'appelle parce que je t'ai préparé une petite sur... De quoi? Ah, tu me regardes depuis une demi-heure? Bah oui, j'ai installé la webcam. Ah d'accord, je t'ai bien fait rire avec Fred et Julien. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais, bah, ils viennent de partir, là, ça y est, ouais. Mais bien sûr que tu es toujours ma petite crotte en chocolat fourré au miel. Bien sûr. Oui, t'inquiète pas, j'ai préparé ta surprise. Laisse-moi une minute et c'est bon, d'accord? Quitte pas. Attends, Géraldine, calme-toi, tu vas me faire remarquer. Oh, mais ça va. T'inquiète pas, ils ont l'habitude avec moi. Il y a un mec qui te regarde, là. Oui, c'est un ex, on est un peu fâchés. Ah bon? C'est rare, ça. Qu'est-ce que tu veux? Il est sorti avec une copine à moi 2 jours après que je l'ai quitté. Bah alors, s'il était plus avec toi? Mais attends, faut pas exagérer, ça se fait pas. Il aurait pu attendre une semaine, au moins. C'est lui, Sandra, c'est lui. Encore ton sixième sens? Mais non! T'as vu quand même, il me regarde? Il est fou de moi. Il baisse les yeux à chaque fois qu'il croise mon regard. Ah bah calme-toi, Géraldine, tu vois pas que tu le mets mal à l'aise? C'est normal qu'il soit mal à l'aise. Il y a la femme de ses rêves à portée de main. Bon, j'y vais. Attends, Géraldine. Oh. Oh. C'est vraiment pas le moment. Ça va? Salut. Excusez-nous, hein, on est un petit peu en retard, mais bon, on a dû aider Jérémy là pour installer sa webcam, donc... Une webcam? Pourquoi faire? Il veut être plus proche de Barbara, c'est mignon. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il y a un mec bizarre là derrière. Bon alors, racontez-nous, la webcam de Jérémy, c'est bien? Bah, c'est une webcam, quoi, c'est... Vous avez pas vu? Quoi? Il y a un truc génial, le petit jaune a mis une webcam chez lui, venez voir. Allô? Alors, ça t'a plu? Oui, je répétais que pour toi, c'est une danse traditionnelle prénuptiale africaine, c'est terriblement érotique, je sais, c'est... J'en peux plus non plus, ouais, c'est... Ah, tu vas faire des photos? D'accord, bah je te rappelle dans une heure, alors. Très bien, je t'embrasse. Là, c'est sûr, je l'ai épaté, là, mais elle est tellement sexy, cette tenue, en plus, que... Aïe! J'arrive. Payé. Salut. Salut. Bah, tu te souviens pas de moi? Ah, je suis ta voisine. Si. Oula. Ça t'arrive souvent de t'habiller comme ça? Ah non, c'est-à-dire, en fait, je fais je prépare un petit numéro pour la fac et tout ça. Ah, tu brasses. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux du sucre, du sel, du lait, ma couverture, mes pompes? Non, c'est... Non. Des carottes. T'aurais pas des carottes, c'est pour mon lapin. Des carottes? Non, j'ai pas de carottes, je suis désolé. Bon bah tant pis. Mais c'est quoi ce truc? Ah ça, bah c'est... Ça c'est... C'est une webcam. T'as installé une webcam ici? Hein? Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça les temps modernes. Elle marche? Ah bah oui, bien sûr qu'elle marche. Hein, ça serait quoi l'intérêt d'installer une webcam si elle marchait pas? Et tu veux dire que là, toute la France peut te voir? Ah bah non, pas toute la France, le monde entier. I love the world. Yes, I love the world. Mais c'est génial. C'est génial. Tu veux dire que là, maintenant, tout de suite, là, tout le monde entier peut me voir? Oui, c'est ça. C'est trop fort. La magie de la technologie d'aujourd'hui. Tu fais quoi, là? Attends, j'appelle des copains aux États-Unis pour qu'ils me voient. De quoi? 2 minutes. Hey, John, yeah, it's Faustin, yeah. You can see me on the web if you want. Yeah, c'est quoi le nom de ton site? Hein? C'est miminou.com. It's miminou.com. Yeah, M-I-M-I-N-O-U. Yeah, it's quite ridiculous. Quoi, ridiculous? Yeah. Okay, see you. Big kisses. Bye. Eh non, mais attends, mais tu peux pas rester là, hein? Attends, là, je suis dans le cadre, là? Ah oui, la télé. On me voit bien, là, t'es sûr? Oui, mais moi aussi, je suis dans le cadre, en plus de ça. Hey. Eh, mais tu peux pas rester... Laisse-moi me concentrer, les secondes. Attends, il y a tous mes potes qui me regardent, là. Attends, mais peut-être, mais tu... Hi, John. Mais cool. Tu peux pas rester là. Hey, bisous. Kisses. Mais, qu'est-ce que tu fais? Mais, au secours.
nul. Pourquoi Fred est arrivé à ce moment-là? Comment je vais faire pour le retrouver, moi, maintenant? Tu veux pas te calmer, Géraldine? Non, je veux pas me calmer. T'imagines dans quel état doit être ce pauvre garçon? Ça fait des jours et des jours qu'il rêve de moi. Et là, j'allais m'approcher, j'allais lui parler. Et un mec débarque, me saute dessus et m'embrasse. Mais c'est pas un mec, c'est ton mec. Et il s'appelle Fred, t'as déjà oublié? Je sais, c'est mon mec. Mais lui, il ne le sait pas. Ça a dû lui faire mal. Bon, Géraldine, qu'est-ce que t'as là? Tu déjantes complètement, hein? Si je déjante, laisse-moi déjanter tranquillement, ok? Ok, comme tu veux. Sandra, ça va, excuse-moi, t'as raison. Je perds un peu la tête en ce moment. Mais c'est tellement inhabituel de recevoir des fleurs tous les jours. C'est moi qui m'excuse. C'est vrai que j'ai pas à être sur ton dos comme ça. Après tout, t'es assez grande pour te débrouiller toute seule. Non, j'ai besoin d'une amie comme toi. Tu m'empêches de faire des grosses bêtises. Je t'adore. Moi aussi. Le voilà, il revient. Attends, bouge pas, je vais aller lui parler. Salut. Alors, t'avais pas quelque chose à me dire? Si, ton t-shirt, tu l'as acheté où? J'offrirais bien le même à ma copine pour son anniversaire. Coucou! Non, arrêtez les filles, mais c'est pas possible, vous pouvez pas rester là, ça va être la catastrophe! Mais je peux pas, je t'aime! Mais t'inquiète pas, y a pas de son sur la webcam! En tout cas, c'est vraiment génial. Hein. Ouais. T'es sûr qu'il nous voit, Montélima? Ouais, dans tout le monde entier. Hein, Jérémy? Mais oui, mais on vous voit partout dans le monde entier, mais justement, vous pouvez pas rester là! Quel rabat-joie, celui-là, je t'assure qu'il nous gâcherait notre plaisir. En tout cas, c'est super sympa de nous avoir appelé, Faustine. Bah, c'est bien normal que je vous en fasse profiter. T'as le numéro de Franca, mais là? Ah, moi, je le connais par cœur. Passe-moi le téléphone. Non, c'est bon, là, j'ai besoin du téléphone, ça suffit maintenant. J'en ai pour 3 secondes, promis. Pronto! Franca, c'est Marie. Hé, hop là, c'est bon, maintenant, cassez-vous! Je t'ai pas dit de me toucher, toi, hein. Ça attire. Ça veut dire quoi? Je suis pas obsédée ou un truc comme ça. J'en peux plus, là. Je suis à bout, j'en peux plus. J'ai envie d'être tranquille, tout seul, peinard, chez moi, avec ma webcam. Oh, titi, fais de la peine, regardez. C'est pas sympa, Marie. Bah oui, c'est vrai, déjà qu'on s'incruste. Hein. Ouais, vous avez raison. Allez, viens, on va te consoler. Non, pas les chatouilles. Pas les chatouilles, je crains les chatouilles. Arrêtez pas les chatouilles. Offrir le même t-shirt que moi à sa fiancée, tu te rends compte? Ça va, n'en fais pas un drame. En attendant, je sais toujours pas qui est mon chevalier d'amour. Les filles, venez voir. Qu'est-ce qui se passe? Venez, je vous dis. Qu'est-ce qu'il fait? Mais n'importe quoi, comme d'habitude. Heureusement que Gavara est pas là pour le voir. Mais attendez, la webcam, mais elle peut le voir du Japon. Bon, allez, venez. Arrêtez, non, lâchez-moi. Ah bah non, pas bah maintenant. Je veux pas de Toulouse, je n'ai pas de se connecter. Arrêtez. Allez, fais pas la tête, mon poussin, on recommence à te chatouiller. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, là? Hé, hey, copain, venez m'aider. Oh, Jérémy, c'est pas la peine de jouer la comédie, on a tout vu. Yep, hop. Allez, hop, on dégage. Allez, dégage. On y va, là. Mais ils sont mignons, ces deux-là. Mais venez, faites-le avec nous. Vous faire mal. Bon, je crois qu'on a un peu de ménage à faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, on dégage. Allez, c'est le grand nettoyage d'automne. Lâche-le. Et voilà. Merci les filles. Eh bien, elles sont complètement folles, ces filles-là. J'y suis pour rien, je vous jure. Hein. Mais on a vu ça. Allô? Non, Barbara, je te jure que c'est pas... Non, c'est pas ce que tu crois... Quoi? Allô? Allô? C'est Barbara. Elle me dit qu'elle a tout vu avec la webcam et avec tout ce qui s'est passé avec les filles avant que vous arriviez, que c'est fini entre nous. Mais oui, Barbara, je t'assure que Jérémy n'y était pour rien, on était là. D'accord. Ah, mais c'est super. Ah, tu veux lui faire la surprise? Bon, bah d'accord, on dira rien.
Ok, je t'embrasse. Ça y est, tout va bien. Elle va appeler Jérémy pour lui dire. Et c'était quoi la surprise qu'elle voulait lui faire? Elle rentre demain, elle a fini ses photos. Oh, mais c'est génial! Attends, mais comment on va faire avec Manon? Ah bah zut. Oh bah c'est pas grave, elle dormira sur le canapé quelques jours. Ouais, t'as raison, on va se débrouiller. C'est bizarre. J'ai toujours pas reçu mon bouquet de fleurs du soir. Ouais, apparemment il est en retard. Ça doit être lui. Salut les filles. Ah, salut Manon. Oh là là, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Je déménage. Ah, mais c'est gentil pour nous. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je vais habiter avec mon chevalier d'amour. Ton chevalier d'amour? Bah oui, c'est lui qui m'envoie des fleurs tous les matins et tous les soirs depuis 3 jours. Il m'a vu à la cafette avec vous et il s'est trompé de prénom. Il a cru que je m'appelais Géraldine.